Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Dieu fait grâce. Je l'espère pour vous aussi, ainsi que les membres de votre famille. Et surtout, merci de vous abonner, de liker, de commenter, ainsi que de partager et de votre temps de regarder mes vidéos à chaque fois. Donc, aujourd'hui, je vous ramène une vidéo de poitrine de poulet et avec les champignons, les brocolis. Les poivrons, les oignons, les ciboulettes et oignons normales et poivrons jaunes et les poivrons rouges. Donc cette recette aujourd'hui, ça sera préparé pour être une poulet avec tous ces légumes en forme de la crème. Donc on va ajouter un peu de crème pour avoir le petit goût des crèmes et ça sera l'accompagnement avec les patates grillées. Donc c'est ça. Alors, premièrement, j'ai déjà découpé comme les oignons. J'ai déjà enlevé la pelure des oignons et j'ai déjà bien lavé la régie découpée. Et ma fille de 6 ans va couper les champignons et moi je vais m'en occuper avec les restes. Elle est là, elle était déjà prête. Maman, je vais couper. Je dis attends, la patience ça paye. La patience ça paye. Donc c'est un peu ça. Alors on va découper tout ça et on va vous laisser suivre au rythme de la musique. On se retrouve à la deuxième partie. Comment est-ce qu'on va mélanger tous les ingrédients? Don't forget to like, to share and to subscribe. See you soon. Les champignons, elle n'arrête pas de me dire maman, je t'ai gagné, j'ai fini de couper les champignons en première. J'ai dit ma fille, moi j'ai beaucoup de tâches à faire donc calme-toi. Alors là, j'ai fini aussi de couper mes oignons, les poivrons, les ciboulettes et les persils aussi. Donc c'est ça, là il me reste juste à laver les poissons de poulet avec de l'eau chaude et la vessie. J'ai fini de découper aussi et j'ai fini de découper les patates aussi. Donc tout est prêt, le découpage est déjà prêt. Donc il reste juste à passer à la cuisson pour bien préparer, mijoter tout ça et voir la finale totale. Donc je vous laisse suivre encore au rythme de la musique. On se retrouve après. Bon, là j'ai fini de griller les patates, sont prêtes, là je vais ajouter au poulet, c'est ça, le poulet aussi presque prêt, il reste juste la petite partie. Et là j'ai déjà rajouté tous les ingrédients ensemble et le pire, j'avais pas mis de l'eau, on dirait juste la liquide de la crème 10% que j'ai mis dedans après avoir mélangé tous les ingrédients. Et on va voir la sauce après. Donc j'ai filmé des petites parties parce qu'il venait d'avoir une invitée à la maison. Je débranche toujours la caméra quand j'ai des invités. Si je trouve que c'est un peu poli au lieu de se concentrer aux vidéos et tout. Donc là voici notre crème. Est très délicieuse avec les patates. Et les poulets juste là, donc je séparais juste la crème à côté et les poulets à côté. Donc c'était vraiment ouf, très 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 délicieux. Donc c'est facile à faire, simple, au lieu de commander le McDo, tu fais faire un bon dîner comme ça des $30 et la famille de 7 personnes mange tout et bien et ça reste même. Je vous assure, un paquet de $5 des patates plus poitrine de poulet $20 et plus les ingrédients, donc ça fait à peu près $40 par jour pour une famille de 7 personnes. Mais nous on a mangé des jours, peut-être parce que mes enfants sont pas gourmands. Donc je trouve que c'est plus pratique et très santé que de commander des fat food. Alors c'est vraiment facile, voici la raison que j'aime cuisiner chaque jour, parce que je fais souvent des petites recettes comme ça, simple et c'est bon, il y a plein de légumes dedans que les enfants mangent, c'est bon.
un dîner fait maison et à santé. Alors, n'oublie pas de vous abonner, de liker, de commenter ainsi que de partager. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous ainsi que les membres de votre famille. Ciao!